Shalom à tous. Au sujet de la vente du Hametz à Pessah, nous avons l'habitude de ne pas vendre du Hametz Gamour, c'est-à-dire du véritable Hametz, des pâtes, du pain. Nous avons l'habitude de ne pas inclure ça dans notre vente. Il faut rappeler aussi que lorsqu'il s'agit de la farine, certains disent que la farine ce n'est pas Hametz. En effet, à l'époque, la farine, lorsqu'on achetait la farine n'était pas Hametz. Mais la façon de faire de la farine est différente aujourd'hui au niveau technique et on a peur que dans le processus de la création de la farine, il va avoir une possibilité que la farine marmite, la farine devient un peu hametz. Par conséquent, la farine d'aujourd'hui qui est vendue dans les supermarchés, dans les magasins, dans les commerces, est totalement hametz, c'est hametz gabour. Donc il est interdit d'avoir de la farine. Mais même notre chumra, notre façon de se montrer plus sévère au niveau de l'alra, est notre habitude de ne pas vendre du hametz gamour. Qu'est-ce qui est permis de vendre? Il est permis de vendre des tarovets hametz, qui est mélangé avec du hametz, ou ça fait hametz, ou si on a des endroits ou des aliments qui sont un doute si c'est du hametz ou pas. Par exemple, ça c'est très important d'y penser, de vendre tous les médicaments. Les médicaments que vous avez l'utilisation et qui sont inscrits dans la liste de l'année, de cette année, de Pessah, vous avez le droit de les utiliser. Des médicaments qui ne se trouvent pas sur la liste, vous devez demander au médecin et ensuite au rab qu'est-ce qu'il faut faire avec ces médicaments. Mais tous les autres médicaments qu'on n'utilise pas, qui sont dans notre pharmacie de maison, nous devons les vendre, tous les médicaments, avec le reste du hametz de notre maison. Qu'est-ce qu'on vend? On ne vend surtout pas les ustensiles, parce que si on vend les ustensiles à un goy, on devra après refaire la tegula. Donc on ne vend uniquement le hametz qui s'y trouve. Dans toute la maison, on fermera les placards et on marquera hametz. Et lorsqu'on fera la vente auprès du rabbin de la communauté, auprès des responsables du rabbinat, nous aurons l'intention de nommer comme chaliar, comme envoyé, le rabbinat ou le consistoire ou toutes les personnes qui vont s'occuper de vendre notre hametz au goyim, de les rendre officiellement envoyés, préposés, avant avoir cette possibilité de vendre en notre nom notre hametz. Le Rav Kook explique que cette vente, c'est une véritable vente. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'à la fin, après Pessah, le Hametz redeviendra notre propriété, parce qu'on sait que le Goy ne va pas payer ce qu'il va devoir payer, parce que si nous sommes folles. Il faut que dans notre esprit, on se détache totalement du Hametz. Il faut dans notre acte, dans l'acte de la vente, on s'est détaché totalement du Hametz. Il est interdit de dire « Ah non, c'est... » Non, il faut qu'on soit sérieux au moment de la vente, parce que c'est une véritable vente. En effet, pendant toute la période de Pessah, ce Hametz n'est plus à nous. Ce hametz est totalement hors de notre réchoute, de notre domaine. Quelles sont les personnes qui ont le droit de vendre du hametz? C'est les personnes qui ont propriété des magasins où se trouve du hametz. Comme par exemple les supermarchés, comme par exemple des endroits, une boulangerie où il y a des réserves de farine, etc. où la quantité devient énorme. Par conséquent, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, nous aurons droit de le vendre. Paul Touffe.